française, l'estimation est qu'il y a eu environ 4 200 000 morts prématurées qui ont été dues et à la mauvaise qualité de l'air. Seulement dans la région des Amériques, on peut estimer cette quantité aussi dans l'année 2016, environ 330 000 morts prématurées. Ça, sans parler de toute la morbidité, ça veut dire les années de souffrance dans la maladie qui sont aussi dues à ce problème. Quand on parle de santé publique, on parle toujours des facteurs de risque qui attaquent, disons, la santé des individus, la santé des populations. Et un des principaux aujourd'hui dans notre région, c'est la qualité de l'air. Pourquoi? Parce que dans l'air, on trouve souvent beaucoup de particules fines, et c'est des particules qui sont très petites, aussi bien que des gaz qui sont nuisibles pour la santé. Et entre ces gaz, on peut trouver par exemple l'ozone, qui c'est un gaz oxydant. Et on trouve l'oxyde, dioxyde d'azote, et aussi on trouve le dioxyde de soufre. Et donc on doit vraiment savoir quelles sont les sources de ces pollutions, parce que la meilleure façon de nous attaquer à ces problématiques, c'est à travers de minimiser les sources de ces pollutions. Quels sont ces effets sur la santé? Bon, on voit qu'il y a beaucoup de maladies qui sont y associées, beaucoup plus que ça que vous pouvez penser. Par exemple, beaucoup d'accidents cardiovasculaires et cérébraux, beaucoup de problèmes de stroke, problèmes liés à l'hypertension, et de nombreux cancers, parmi eux les cancers des poumons, aussi que des autres affections respiratoires. Autant des affections qui sont graves, ponctuelles, comme des affections qui sont chroniques. Donc, y compris l'asthme. Ces pathologies sont spécialement importantes chez les enfants et qui souffrent l'exposition accrue à la pollution de l'air. Donc, on doit se demander, quand est-ce qu'on est confronté à ce type de pollution? Il y a principalement deux domaines d'exposition à la mauvaise qualité de l'air, à la pollution de l'air qu'on peut souffrir. Il y a une première qui est à niveau atmosphérique, par exemple quand on se retrouve dans la rue, surtout voici, ici en Haïti par exemple, souvent les trafics qui souvent exposent à beaucoup de fumée. Et aussi la brûlure des ordures, l'incinération des fatras, c'est important aussi. Mais il y a, par exemple, l'utilisation des génératrices qui en plus font beaucoup de bruit, qui c'est un autre sujet qu'on va mesurer avec ces appareils aussi. Mais il y a le domaine intradomiciliaire. À l'intérieur du foyer, on est très exposé aussi à la pollution de l'air. En Haïti, plus de 80% de la consommation d'énergie à niveau du foyer est fait à travers des combustibles solides, c'est-à-dire les bois, surtout au milieu rural, et les charbons, plus au milieu urbain, sont des sources de pollution qui vraiment nous font confronter, surtout aux femmes et aux enfants, des autres niveaux de pollution. Donc, toutes ces interventions sont des interventions qui méritent vraiment un travail d'ensemble de beaucoup de ministères du gouvernement. Et nous, d'après le secteur de la santé, on a une vision qui s'appelle santé dans toutes les politiques. Nous-mêmes, comme secteur santé, on peut faire très peu, des fois, dans la transformation qui sont nécessaires dans les pays. Par contre, toutes les évidences sur la santé publique peuvent aider à transformer dans les autres secteurs, comme le secteur de l'énergie, le secteur du transport, le secteur de ramassage des ordures. Et c'est pour ça qu'on travaille aujourd'hui ensemble, bien sûr avec le ministère de la Santé publique et de la Population, mais avec le ministère de l'Environnement, pour nous attaquer à ces problèmes qui affectent dans tous les domaines de la vie.
autant à l'intérieur du foyer comme à l'extérieur. Donc, je ne voudrais pas rater cette opportunité pour vous référer sur la nombreuse documentation qu'il y a à propos de ces sujets sur le site web de l'Organisation Mondiale de la Santé, www.oms.com.org. Donc, là, vous trouverez quelques éléments très importants qui nous parlent de la qualité de l'air et son importance sur la santé publique, et beaucoup de liens qui vous référeront à aussi la feuille de route pour attaquer ces problèmes. Vous direz, pourquoi est-ce qu'on fait cette initiative en particulier? Pourquoi est-ce qu'on a commencé avec des appareils pour mesurer la qualité de l'air? Dans la feuille de route que l'Organisation panaméricaine de la santé a à niveau de cette région, on compte d'abord créer l'évidence sur les facteurs de risque. Ça veut dire, on doit être capable de mesurer quelles sont les sources de pollution, où est-ce qu'il attaque la population et quels sont les éléments qui sont à l'origine de cette pollution. Après, on pourra s'interroger sur quel est le fardeau de la maladie pour la population. D'accord? Chaque pays est différent, chaque source de pollution est différente. Donc, une fois qu'on va connaître quel est le fardeau de la maladie sur la santé publique, on pourra définir des politiques qui sont bien ciblées pour notre pays. C'est là que le ministère de l'Environnement va jouer un rôle essentiel, ensemble avec le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales aussi, parce que toutes ces problématiques sont gérées à niveau local, à niveau de communes. Et voilà, que là, on pourra définir, avec ces appareils et des autres que j'espère qu'on pourra procurer, des réseaux de surveillance qui vont nous permettre de mettre en œuvre des politiques efficaces pour lutter contre la pollution de l'air. Ça veut dire la réduction des émissions qui sont nuisibles pour la santé. Liguez sur le site web, là, comme tu as indiqué ou tu as partagé et donné, liguez une feuille de route qui pour toutes les Amériques même. Ça veut dire, le travail nous fait ici en Haïti, nous fait pareil dans tout l'autre pays. Et feuille de route, commencer, première bagaille, c'est récolter données. À données, on connaît qui source et pollution qui est important, qui côté les retrouver, sur qui groupe de population les gagne plus d'impact et qui fardeau de maladies qui les supposait pour santé publique en Haïti. Nous pouvons faire exercice dans chaque pays, malgré que nous connaissons un peu l'évidence qui est partagée, parce que chaque pays a besoin de gagner et donner paillot. Nous n'avons pas qu'à venir ici à donner de l'Argentine ou donner du Paraguay et faire seulement une transposition au contexte haïtien. Nous avons besoin de connaître qui sa réalité liée exactement pour Haïti. Donner ça à eux a permis nous pour calculer les fardeaux de maladies, ça veut dire mortalité et morbidité associée à la pollution de l'air. Parce que la pollution de l'air, c'est un facteur de risque de la santé publique. Vous voyez? C'est ensuite que nous avons calculé, par exemple, combien de morts exactement je dois à qualité de l'air en Haïti, combien de monde qui souffre de maladie, que nous avons gagné un élément pour passer dans la troisième étape, c'est définir une politique. Et une fois nous gagnons une politique, qu'est-ce que ça veut dire politique? C'est planification, ça veut dire législation. Bon, il faut dire que nous travaillons déjà là-dedans, parce que nous avons gagné une initiative depuis 2016, que nous menons ensemble avec le ministère de l'Environnement, le ministère de la Santé publique, ensemble avec l'autre quatre ministères, donc le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales, le ministère du Commerce et de l'Industrie, aussi avec l'Université d'État d'Haïti, pour réviser tout ça qui est la législation d'hygiène publique, le fameux code d'hygiène publique de 1954. Là, nous avons déjà un plan de travail. Et qualité de l'air, là, c'est un des thèmes qui est principal. C'est pour ça que nous avons avancé, ensemble avec le docteur Louis, pour l'acquisition de ces polymètres, pour nous commencer vraiment à fonder politique ça sur une base qui vraiment est scientifique. Ouais. Polymètres, ça a combien de ces matériaux? Il a coûté environ 5 000 dollars américains par grain. Donc, vous avez un ajout. Monsieur le représentant de l'OPS OMS en Haïti. Mesdames, messieurs,
les directrices, les directeurs techniques du ministère de l'Environnement, mesdames, messieurs, donc les cadres du ministère, mesdames, messieurs, donc les journalistes ici présents, mesdames, messieurs, je suis vraiment honoré pour représenter le ministre de l'Environnement, monsieur Joseph Joutre, en cette circonstance bien spéciale qui concerne donc la réception officielle du 3 polymètres offert par l'OPS-OMS dans le cadre de la surveillance de la qualité de l'air. Mesdames, messieurs, la problématique de la qualité de l'air constitue donc un problème majeur, inquiétant pour le ministère de l'Environnement, qui, dont l'une de ses prérogatives, c'est de lutter contre la pollution urbaine et particulièrement la pollution de l'air sur tous les territoires nationaux. En effet, il est reconnu que la pollution de l'air, ou du moins l'exposition à l'air pollué, entraîne des maladies cardiovasculaires, entraîne également des affections respiratoires qui peuvent être aiguës, chroniques, y compris l'asthme, ainsi que des cancers pulmonaires. Monsieur le représentant de l'OPS-OMS, en donnant ces 3 polymètres au ministère de l'Environnement, l'OPS-OMS contribue déjà au montage de ce que le ministère appelle un réseau de polymètres au niveau national pour la surveillance de la qualité de l'air. Ainsi, avec le montage de ce réseau de polymètres, le ministère de l'Environnement disposera enfin d'une base de données sur les différents polluants de l'atmosphère, particulièrement 4 gaz, des particules fines, en vue d'améliorer la qualité de l'air au sein de la population. Le ministère disposera également un plan de surveillance des sources d'émissions des différents polluants atmosphériques. Le ministère élaborera en quelque sorte donc des valeurs limites et guides pour la qualité de l'air et une cartographie de bruit sera donc élaborée en vue de réduire les nuisances sonores. Parce qu'il faut dire que les polymètres, ces polymètres-là ont un avantage parce qu'il y a une sorte de couplage entre le polymètre et donc un sonomètre qui est là pour mesurer les nuisances sonores, comme vous le savez aussi bien que moi. Et les nuisances sonores constituent également donc un problème majeur pour donc la société haïtienne. Tout cela dans une perspective de protection de la santé humaine et de la promotion de l'environnement, un environnement sain, agréable. En fait, pour finir, je voudrais conclure avec une phrase de David Chibwe qui a dit qu'on ne peut pas vivre en bonne santé sur une planète malade. Et dans la logique pour nous monter un réseau de polymètres au niveau national, nous comptons placer donc 3 polymètres SAO dans 3 endroits différents. À savoir, donc, nous avons placé un Port-au-Prince, plus particulièrement à Port-à-Léogane, parce que nous connaissons que Port-à-Léogane, c'est un gros morceau, c'est une grande routière qui desservit donc plusieurs départements et des communes également. Nous pensons qu'il est important pour nous garder ça qui a passé dans l'air, là, dans l'espace. Là. Nous gagnons pour nous placer en tout au Cap Haïtien, pour nous qui nous cap très bien. Nous comptons placer le cap donc sous place d'Amenan, en les têtes mairie au cap là. Parce que là, c'est une zone de grande agglomération qui est vraiment fréquentée. Nous pensons placer là, par rapport à et donner nos besoins collectés pour garder des facteurs de risque qui gagnent à question. Et tout ça, c'est la maladie cardiovasculaire, maladie donc, d'origine environnementale, plus particulièrement donc maladie qui sont dans la question l'air qui n'est pas bon. On a placé on là, il a placé troisièmement dans le sud, c'est-à-dire au Caï. On a placé dans Carrefour 4 chemins. Pourquoi on choisit Carrefour 4 chemins? C'est parce que Carrefour 4 chemins, c'est un carrefour qui desservit 15 communes des 18 dans le département sud là. Et il relie tout en quelque sorte donc le département de la Grand'Anse. C'est-à-dire là, c'est un gros morceau. Nous dit donc si nous placons là, là ben nous donc des avantages par rapport à se déplacer dans d'autres endroits. Et donc, pour que ça ne passe pas encore, nous pensons donc, si nous placer dans le nord qui sont extrêmes, le sud qui est en extrême, et si nous gardons Port-au-Prince comme donc
et le centre, pas le centre de débattement, mais à mi-chemin de débattement, ça nous dit que nous avons gardé tendance. Est-ce que l'air est plus pollué? Est-ce que l'air plus pas propre, plus sale au Cap que Port-au-Prince? Est-ce qu'il est plus pollué donc au Cap que Port-au-Prince? Et nous avons peut-être évalué le facteur de risque qui gagne par rapport à tout ça. Nous connaissons que la mauvaise qualité de l'air qui a porté comme question santé, comme nous connaissons l'air, c'est un déterminant de la santé. Alors, ça fait nous choisir stratégiquement les 300 dollars à eau. Mais comme nous dit déjà, c'est un risque de polymètre, ce n'est que le début. Ouais, donc, nous comptons placer 3 polymètres à eau dans 3 endroits à eau. Effectivement, donc, les polymètres à eau ont un avantage, c'est-à-dire donc les gains ont un système cloud, son plateforme. Ouais. Donc, malheureusement, pas pour faire une démonstration là, quand on a des cafés, on a pour voir le laptop là, nous avons un mot de passe, nous avons monté sur la plateforme là, rapide, nous avons en temps réel, c'est-à-dire qu'on y a même, nous avons en temps réel toutes données, pour 4 gaz et particules fines, plus bruit, nuisance sonore. Donc, ça veut dire pas besoin forcément de monde qui manipule, nous seulement un ordinateur de monter sur la plateforme là, nous avons toutes données qui ont un rapport avec le milieu de positionnement, donc pour lui mettre ça. Ça veut dire pas besoin de demander des techniciens qui vont le manipuler. Non. C'est assez facile, donc ça soulage peut-être donc le ministère à tout, et dans le cadre, nous avons obligé de payer l'opérateur qui a pris mal les données, nous n'avons pas besoin de ça. C'est-à-dire tout là, et offrons-nous avantage tout, avantage que offrons-nous, nous avons des pictogrammes, des courbes, c'est-à-dire des pictogrammes qui même ont des corrélations et concernant justement donc et problématicalité de l'air. C'est-à-dire même donner ça à nous transférer. Nous mettons sur un dépôt sur ce ministère-là, nous avons déposé sur l'OPS OMS, là, qui est peut-être en train de n'importe qui a peut-être visité, mais nous-mêmes avons un projet pour nous peut-être garder si des possibilités de créer une application, même avec le téléphone, nous avons toujours gardé la qualité de l'air, comment lier dans telle zone, par rapport à telle zone, et pour ça, pour ça. Alors, pour le médecin, il y a un panneau solaire pour capter là très bien. Il y a un boîtier qui a une batterie de recharge. Il y a un sonomètre pour mesurer donc nous en sonore, bruit mon affaire là rien. Il y a un polymètre là qui c'est dernier donc boîtier et qui gagne pour capter donc 4 gaz. Là. Donc il y a NO, donc il y a donc le monoxyde de carbone et il y a une ozone là-dedans avec particules fines. Particules fines, nous, ce sont des particules, ça nous connaît poussière là. Alors c'est plus que poussière parce que gagne météo là-dedans, il y a une bonne bagarre là-dedans. Et gars qui composent organiques volatiles là-dedans, qui sont de plus ou moins spécifiques, ça dit donc il fait une prise en charge de tout ça, les PM, PM 2.5, PM 10, PM 1. Ça dit en fonction des tailles. Après, parce que ça a une propriété côté que vos serraillons permettent d'aller dans la voie respiratoire, aller sur le niveau des alvéoles, et c'est ce qui va donner tout ça, on a des cancers, maladies, affections respiratoires. Donc c'est ça en quelque sorte. Donc, paquet de gens qui ont 4 donc, et les malades. C'est pour lui mettre là, en fait, c'est panneau solaire là, c'est boîtier qui a batterie de recharge là, c'est pour lui mettre là avec son mètre là. Et nous, bien, son projet pilote, ça a dit, donc, ça qui est important pour le ministère de penser avec le OMS, c'est gagner des données. Données d'apprentissement, même si vos quartiers plus ou moins IP, et ça a dit, vos quartiers, donc, les bourgeois, donc, à quelque part, donc, ils savent chercher, nous ne pouvons pas venir là. Donc, ça a dit, au départ, nous étapons là. On va faire publicité pour 4 mais bon, c'est pas intéressant. Mais nous disons qu'on a concentré dans des zones de grande affluence, pour nous garder tendance là. Nous garder tendance, ça fait nous placer là. Mais au fur et à mesure de projet après encore, nous avons pu nous mettre dans toute zone. C'est un projet pilote, c'est un réseau de projets d'apprenti. Et nous avons d'abord pour faire collecter des gens où nous avons dit ça. Et pas oublier le rôle du ministère de l'Environnement, c'est élaborer des normes. Dans le principe, pas le rôle qui gagne, c'est élaborer des normes sur tout ça qui a rapport avec la qualité de l'air. Normes sur question de l'eau usée, sur question donc toutes les problèmes environnementales qui méritaient donc normatif. Alors nous-mêmes nous mesurons donner ça à pour nous tant d'abord garder charge de maladie qui a fait la question de pollution de l'air et faire la part des choses parce que nous disons ça déjà qualité de l'air sont déterminants donc environnemental lié et malheureusement en Haïti pour j'aime des discours ça. Même nous tiens à ce que, avec le médecin, nous avons notre voix, nous côté dans le ministère, dans notre voix pour dire que ce n'est pas seulement question de l'eau qui a été choléra, mais l'air qui a été maladie affection respiratoire, l'air qui a été maladie cardiovasculaire, nous avons besoin qu'on ait qui s'agit dans l'air pour nous donner des données, garder charge de maladie attribuable qui sont dans la question environnement et en fin de course, c'est élaborer une politique publique sur la question de l'air. Et ça permet une alternative tout, à dire que ça lié par rapport à monde qui a coupé bois ou fait charbon, parce que charbon, nous connaît son source.
de production de l'ail et tout, de la brûler. Mon cap c'est boire la campagne et tout pour faire manger la cuisson sans ce de production. Et mais ça, bonne tendance là. Et de là, des alternatives qui après dégagé par le ministère pour nous faire prise en charge de façon globale aussi de toute l'opératif. Ça. Une présentation sur le rapport annuel sur la compétitivité. Ces deux institutions ont travaillé, je dirais, main dans la main afin de permettre la production de ce rapport. C'est un rapport qui concerne le monde, donc ça concerne 140 pays. Et en quoi est-ce que l'Université Kiskeya a contribué, et le groupe Croissance, bien sûr, c'est parce que quelque part, à Kiskeya, il y a un cours animé par le professeur Kessner Farrell et Edir Emile. Donc les étudiants de ce cours ont largement contribué en ce qui concerne l'enquête qui a été menée pour alimenter des indicateurs qui sont analysés, présentés dans ce rapport. Donc ce rapport est publié par le Forum économique mondial et c'est un rapport récent puisque c'est sorti le mercredi 17 octobre 2018. Dès qu'il s'agit de rapports à portée mondiale qui concernent plusieurs pays sur le continent, la question qui se pose et qui d'ailleurs s'impose, c'est quelle est la place d'Haïti. Bon, dans toute situation sérieuse, soit compter à rebours, dans l'ordre décroissant, il est possible pour citer Haïti rapide. Mais souvent, dans l'ordre croissant, ça prend du temps. C'est déjà connu, c'est public. Donc sur les 140 pays, Haïti occupe la 138e place, juste avant deux pays, le Yémen, 139e, et Tchad, 140e. Est-ce qu'on a progressé? Bon, et l'année dernière, donc dans le précédent rapport, Haïti a été classé 128e, et à cette époque, c'était sur 137e pays. Donc 128e place sur 137 pays économiques. Donc du coup, on a compris que ça n'a pas progressé. Parce que maintenant, c'est 138e sur 140 économies analysées. Alors il faut dire que l'indice composite de compétitivité mondiale globale, eh bien, c'est un indice qui évalue des facteurs qui déterminent le niveau de productivité d'une économie. Et là, l'élément clé sur lequel on met l'accent, c'est le PIB, le produit intérieur brut, mais on met l'accent beaucoup plus, disons, sur la croissance à long terme. Et pour cela, on a analysé des données qui concernent les lois, les institutions, l'infrastructure, la technologie et la stabilité macroéconomique, la santé, l'éducation. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de domaines qui sont concernés et par ce rapport. Alors, étant donné que le spécialiste est là, M. Kessner Farrell est là, et on sait déjà que c'est la 138e place qu'occupe Haïti, la question qu'on peut se poser, pourquoi Haïti se trouve-t-elle à cette place? Pourquoi on n'est pas mieux classé? Pourquoi, comme la République dominicaine, on n'est pas peut-être parmi les 100 premiers pays? Pourquoi? Donc c'est des questions auxquelles les réponses ne sont pas si faciles, étant donné qu'on sait dans quel état que se trouve l'économie haïtienne. Donc on va discuter globalement de ce rapport. Probablement, M. Farrell va mettre l'accent sur la méthodologie qui a été utilisée, puisque nous autres à l'Université Kiskeya, un élément important, c'est que nos étudiants ont participé à la collecte des données qui étaient utilisées pour rédiger ce rapport. Donc on va essayer de comprendre la méthodologie qui a été utilisée. On va mieux analyser et comparer avec Kessner Farrell la place d'Haïti par rapport aux autres pays de la Caraïbe et surtout au niveau de l'Amérique. Mais enfin, on va se demander quand même qu'est-ce qui pourrait être fait pour que Haïti puisse améliorer sa position, son score dans ce rapport annuel.
Donc pour tout cela, on va, pourquoi ça se représente le Forum économique mondial depuis quelques 10 ans. Mais depuis l'année dernière, comme vous l'avez noté, on se retrouve à l'université et pour analyser ce rapport avec vous. Donc, dois-je dire que ça fait partie de cours réalisés à l'université Piscéa, comme le doyen l'a souligné, avec Exer et Mille. Donc les étudiants vont sur le terrain pendant l'année. Et l'avantage, c'est que ce n'est pas seulement à Port-au-Prince. Dans le temps, c'était le secteur privé qui est beaucoup plus solide à Port-au-Prince. Mais maintenant, ce rapport, il y a des informations venant du département du Nord et également du département du Sud. Donc, les PME ont été consultées pour avoir ce rapport. 30% du calcul réalisé au niveau local. Ceci dit, pour la presse qui est avec nous chaque année, on se rappelle que lorsqu'on publie ce rapport, en général, la Suisse occupe la première position. Mais on a changé la méthodologie cette année. C'est une autre méthodologie qu'on a réalisée. Et la Suisse, après avoir dominé ce rapport pendant 10 ans, a perdu la première place. Et c'est les États-Unis qui se retrouvent en première position. Sachez que la nouvelle méthodologie qui a été adoptée par le Forum économique mondial établit quelques 60% de nouveaux indicateurs.